Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à tous. Je vous laisse quelques minutes le temps de vous connecter. N'hésitez pas à me dire un petit peu, ben voilà, d'où vous venez, le poste éventuellement que vous avez. Voilà, bonjour Benjamin, bonjour Lisandre. N'hésitez pas dans le chat à me dire un petit peu qui vous êtes. Je vérifie que ah ben oui voilà. Donc, si je vous donne pas le droit d'écrire, forcément ça marchera moins bien. Voilà, on est bon. Là, normalement, vous pouvez discuter, vous pouvez écrire. Bonjour, bonjour. On va laisser 2 petites minutes, le temps que tout le monde se connecte. Bonjour, Lisandre. Bonjour, Marc. Bonjour, Julien. N'hésitez pas. Allez-y, participez, hein, dans le chat. Il est ouvert à tout le monde. N'hésitez pas à me dire ben voilà, d'où vous êtes, quel poste vous avez dans votre entreprise, éventuellement ce que vous attendez de ce webinaire. Surtout, n'hésitez pas. On va commencer dans quelques secondes, le temps que tout le monde se connecte. Ben, ça fait plaisir. On voit des têtes que je vois très régulièrement dans mes webinaires, des gens avec qui on discute data très souvent. Donc ça fait très plaisir de vous voir. Allez. Et alors aujourd'hui, pour la première fois, on tente un petit challenge technique, puisqu'on a décidé de, en même temps, d'être en diffusion Zoom et en parallèle de diffuser automatiquement sur LinkedIn Live. Depuis quelques mois, LinkedIn a donné la possibilité de pouvoir faire des lives et de diffuser en ligne live. Donc, petit challenge technique aujourd'hui, on s'est rajouté en parallèle sur LinkedIn Live. Allez, je vous propose qu'on commence. Donc, pourquoi ce webinaire aujourd'hui? Ce webinaire aujourd'hui est là parce qu'on a fait un sondage en début janvier où on vous a demandé quel serait le thème qui vous intéresse le plus sur la data. Donc, il y avait des notions de BI, des notions de pilotage, etc. Et vous avez choisi de favoriser le lien entre stratégie digitale et résultat. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont une stratégie digitale et vous allez peut-être me dire que bah, non, vous n'avez pas de stratégie digitale. Si, le simple fait d'avoir un outil qui gère votre CRM, vos leads, vos contacts, si vous avez n'importe quel outil de facturation, etc. Vous êtes déjà actif dans le digital et on peut maximiser, se servir de tout ça pour avoir de meilleurs résultats. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, au programme, l'idée, c'est de faire un état des lieux de toutes vos data, de toutes les données que vous avez à votre disposition dans tout votre environnement informatique pour mieux en prendre conscience et voir comment est-ce qu'on peut les valoriser. On va définir ensemble comment savoir quelles données ont de la valeur et comment est-ce qu'on peut les exploiter. Je vous donnerai beaucoup d'exemples de savoir qu'est-ce que nous, on a pu faire avec d'autres clients et comment on peut valoriser telle ou telle donnée, qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec tout ce stock de données. On verra ensuite ben, comment est-ce qu'on peut les optimiser, les retours sur investissement qu'on peut attendre et on fera une petite parenthèse sur les outils d'aide à la décision, quels outils vous pouvez mettre en place dans votre entreprise pour pouvoir mieux optimiser vos données. Et tout ça autour d'études de cas, autour de cas concrets que l'on a pu réaliser précédemment. Je suis pas là pour vous vendre un truc, je suis pas là pour vous dire vous devez faire ci, vous devez faire ça. Moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est vous montrer à quel point toutes les données que vous avez devant vous ont un potentiel incroyable et que des fois, juste en regardant un petit peu différemment vos données, vous pouvez vous poser d'excellentes questions et trouver des vraies réponses qui changent la donne dans votre business. Cette conférence, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse aux dirigeants d'entreprise, aux DAF, aux DSI. Je vous laisse un petit peu, si vous souhaitez donc lire à qui s'adresse cette conférence. L'idée, c'est d'aller chercher tous les gens qui ont besoin de prendre des décisions, qui ont besoin d'indicateurs précis, qui ont besoin de surveiller des ventes, de répondre rapidement à des demandes, d'avoir des chiffres exacts, d'avoir des visibilités sur les marges, des indicateurs de performance, etc., etc. Tous ces gens qui, dans l'entreprise, vont avoir des décisions à prendre au quotidien et qui ont besoin de s'appuyer sur des données
fiable. Chez AxisWeb, qu'est-ce qu'on fait? Ben, l'ADN d'AxisWeb, c'est de vous garantir la bonne information au bon moment pour la bonne décision. Notre mission, c'est d'exploiter avec vous tout le potentiel de vos data dans le but de créer de la valeur à travers quatre axes: la qualité de la donnée, l'automatisation, la visualisation et l'aide à la décision. On intervient depuis 15 ans pour des PME et des ETI dans des secteurs d'activité extrêmement variés partout en France. Comment ça se traduit concrètement? Ça peut se traduire par de la mise en place de projets BI, donc de projets, on verra un petit peu plus tard qu'est-ce que c'est que la BI, mais par des projets qui vont vous aider à prendre des décisions au quotidien, par des projets qui vont vous aider à maximiser vos données. Ça se traduit aussi par le fait de faire de la formation sur deux outils principaux qu'on exploite, qui sont Talen et Power BI. On fait de la formation auprès de clients, auprès de différents organismes, pour que vous puissiez utiliser ces outils, parce que vous pouvez déjà vous-même faire énormément de choses. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui voudraient mettre un premier pas sur Talen et sur Power BI, on a des cursus de formation gratuits avec des dizaines d'heures de vidéos. Donc surtout, n'hésitez pas, dans le chat, vous nous mettez. On a Hélène, que j'ai oublié de saluer, qui est avec nous et qui fait la petite main et qui peut vous répondre dans le chat sur les questions. Donc n'hésitez pas, si vous voulez accéder à ces contenus de formation, il suffit de le demander, on vous donne les liens. Et c'est aussi faire des bilans data, faire avec vous le bilan des données que vous avez et vous permettre de regarder un petit peu différemment vos données pour leur faire prendre de la valeur. Alors, je sais ce que vous allez me dire, vous êtes trop petit, vous allez me dire que c'est compliqué, que vous n'avez pas l'entreprise qui est adaptée à ça, que vous n'avez pas encore assez fait de transition digitale pour pouvoir vous permettre d'aller sur ces sujets-là. Enfin, je ne dis pas que c'est vrai ou que ce n'est pas vrai, mais juste, je vous demande de me laisser la possibilité de vous montrer qu'on peut voir les choses un petit peu autrement et que n'importe quelle structure, quelle que soit sa taille, peut vraiment utiliser ces données pour sa performance. Et vous allez me dire, c'est qui ce mec-là pour nous raconter ça? Eh bien, je m'appelle Nicolas Lambert, je suis expert en stratégie data chez AxisWeb, et depuis 15 ans, avec mon équipe, on s'attache toujours, toujours et encore à vous trouver la bonne info au bon moment pour prendre les bonnes décisions. Et c'est vraiment ça le cœur du sujet. C'est comment est-ce que vous pouvez prendre de meilleures décisions. Moi, je suis comme la plupart d'entre vous qui sont connectés aujourd'hui. Je suis chef d'entreprise. J'ai besoin de prendre des décisions 500 fois par jour. Est-ce que je vais plutôt d'un côté, de l'autre, dans un business, dans un autre, sur tel prospect, sur un autre, etc. J'ai besoin d'informations pour m'aider à faire ça. Et donc, je vais vous proposer ma vision sur ce sujet-là. Allez, je vous propose qu'on attaque. Petite parenthèse, en effet, on participe également à la rédaction de pas mal de blogs en ligne sur lesquels on intervient régulièrement sur les sujets de la finance, sur les sujets de l'optimisation financière, de la qualité de la donnée, etc. Donc, je disais, on attaque. Est-ce que vous avez déjà essayé de conduire dans le brouillard? À un moment donné, quand on n'y voit vraiment plus rien, on peut plus avancer. Une entreprise, c'est exactement la même chose. Sans indicateur concret, vous avancez dans le brouillard. La première chose, c'est comment faire un état des lieux des données que vous avez actuellement aujourd'hui à votre disposition. Eh bien, la première chose, c'est de coller à la stratégie. La stratégie de l'entreprise, c'est ça le point de départ de toute stratégie data. Cette stratégie data, et donc la stratégie de l'entreprise, doit être déclinée à court terme, à moyen terme et à long terme. Et elle doit être communiquée à toute l'équipe projet. Qu'est-ce que veut faire exactement l'entreprise? Est-ce que dans les 12 à 18 mois, à 24 mois, le but est de multiplier le CA par 1,5, 2 ou plus? Est-ce que le but, c'est de réduire la part du SAV dans les frais de l'entreprise? Est-ce que le but, c'est d'optimiser un tunnel de vente en sachant exactement à quel moment on perd des clients? Vous avez une stratégie et à partir de la stratégie, c'est là qu'on sort une stratégie data. Cette stratégie, elle permet de définir les moyens à mobiliser, le temps à y consacrer, le retour sur investissement attendu. Et ça, je suis très attaché à cette notion de ROI. À partir du moment où vous allez mettre un peu d'argent sur la table pour mettre en place quelque chose, quel va être le résultat derrière? Quel va être le résultat qu'on attend? Donc, on part de la stratégie de l'entreprise.
Et une fois qu'on a bien compris la stratégie de l'entreprise, on va aller comprendre l'organisation des différents métiers qui vont intervenir dans le cadre de l'application de cette stratégie. On va cartographier toute la data qui est à notre disposition. Est-ce qu'on utilise les données de la CRM? Est-ce qu'on utilise les données de la compta? Est-ce qu'on utilise les données des RH? Est-ce qu'on utilise les données des commerciaux? Qu'est-ce qu'on a à notre disposition? On va s'assurer que le maximum de données soit digitalisé. Forcément, si on veut s'en servir, si on veut travailler avec, il va falloir que cette donnée soit digitale. Et enfin, l'idée, c'est de comprendre comment et pourquoi la donnée est générée. Pourquoi une donnée est générée? Qu'est-ce qu'elle signifie exactement pour la personne qui crée cette donnée? Là, il y a un vrai enjeu de compréhension. Pourquoi? Parce que si on interprète une donnée de la mauvaise façon, on peut complètement fausser un rapport. Donc, c'est vraiment important de comprendre pourquoi et comment est créée cette donnée. Et à la fin, on va unifier et contrôler que toutes les données sont les mêmes. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on écrit des numéros de clients dans une application d'une certaine façon, eh bien, si ces numéros de clients doivent être repris dans une autre, ils sont toujours écrits de la même façon. On va s'assurer que le client Z4B48 est bien le même dans toutes les applications et que tout est écrit de la même façon. C'est ce qui va permettre à la fin de pouvoir croiser des données et de vraiment être sûr de la donnée qu'on exploite. On va ensuite aller chercher où sont stockées les données. Et des données, je vous garantis qu'il y en a beaucoup et vous pouvez en avoir partout. Alors, on a les classiques, évidemment. Base de données, SQL Server, MySQL, etc., Postgre, tous ces systèmes de base de données qui, pour les quelques directeurs informatiques que je vois connectés, ça vous parle et vous savez exactement de quoi je parle. Mais vous pouvez aussi avoir des données éparpillées dans des fichiers Excel, dans des CSV, dans des PDF. Ça peut être dans des applications ou en interne ou dans le cloud. Ça peut être des suivis d'activités, des rapports d'erreurs, des événements de sécurité. Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Aujourd'hui, énormément de systèmes génèrent de la donnée. Donc, on prend la stratégie de l'entreprise, on comprend de quels indicateurs on a besoin pour mettre en place cette stratégie. Et enfin, on va fouiller dans toutes les données de l'entreprise pour savoir où est-ce qu'elles sont stockées et comment est-ce qu'on peut les exploiter. Quelles données ont réellement de la valeur et comment on les exploite? Alors, on les exploite à travers un process qui s'appelle la business intelligence ou la BI, ou vous pouvez aussi entendre parler d'informatique décisionnelle. C'est la terminologie à la française. D'ailleurs, petite anecdote, on publie régulièrement sur LinkedIn en utilisant cette terminologie de business intelligence. Et allez savoir pourquoi, quand on publie avec la terminologie d'informatique décisionnelle, bah, ça marche mieux. Les gens ont plus d'interactions avec ces postes-là. Donc, en France, on appelle ça de l'informatique décisionnelle. Comment est-ce qu'on se sert de l'informatique pour prendre des décisions dans l'entreprise? Concrètement, le process, il est assez simple. L'idée, c'est de collecter toutes les données, ce qu'on a vu à l'étape d'avant, de les analyser, de voir exactement qu'est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles représentent, et de les interpréter. De les interpréter d'une façon qui va nous permettre d'alimenter la stratégie de l'entreprise. On a les données, ça peut être à travers du reporting, de l'analyse, de la décision, mais toujours à la fin, l'idée, c'est de valoriser la donnée qu'on a à notre disposition. La BI, c'est fait pour qui? Au début, quand c'est des concepts qui ont une quinzaine d'années, au début, c'était réservé aux grands groupes, avec des personnes ultra compétentes, avec ce qu'on appelait les data scientists, dont le métier était de manipuler la donnée et d'aller toujours plus loin et de toujours mieux la comprendre. Aujourd'hui, tous les profils peuvent employer la business intelligence ou l'informatique décisionnelle. Que ce soit un dirigeant, un DAF, un manager, tout le monde peut utiliser la donnée dans l'entreprise pour mieux comprendre le business et faire croître l'entreprise. Quels bénéfices on peut tirer de la BI? Alors, je vous en ai cité, je ne sais pas, j'en ai mis combien, 2, 4, 6, 8, 9. Vous pouvez en avoir vraiment des tonnes et des tonnes. Toujours pareil, c'est qu'est-ce que vous avez besoin de savoir par rapport à votre stratégie? Donc, quelques-uns, ben, c'est accélérer de la prise de décision. Quand on a besoin de prendre une décision, on se connecte à nos données, on regarde les données, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir et on a l'information tout de suite et elle est fiable.
Ça peut permettre d'améliorer les process en place, de comprendre où est-ce qu'on perd du temps, où est-ce qu'on perd des clients, à quel moment il y a une friction qui se met en place. Ça peut être pour détecter des pistes d'économie, des opportunités de chiffre d'affaires. C'est des choses tout bêtes, mais venir faire un compte de résultats par branche métier dans l'entreprise, c'est des choses qu'on peut faire très facilement avec un système de business intelligence bien monté. Hein, avoir des comptes de résultats automatiquement éclatés par mois ou par activité, voire les deux. C'est des choses qui sont très simples à mettre en place et qui sont vraiment indispensables, à mon sens, dans la gestion de l'entreprise au quotidien. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur son business, ça permet de garder une longueur d'avance sur ses concurrents et ça permet aussi de mieux connaître son marché. C'est une petite liste, il pourrait y en avoir beaucoup, beaucoup d'autres. C'est celle que je vous propose aujourd'hui. Où est-ce qu'on collecte la donnée et pourquoi faire? Eh bien, concrètement, on peut la collecter partout, dans tous les logiciels et dans toutes les applications de l'entreprise. La plupart des entreprises ont au moins un logiciel. Finance, RH, compta, marketing, logistique. Il y a au moins un, deux ou trois logiciels. C'est clairement une mine d'or à exploiter. Vraiment. Il y a un potentiel énorme dans les données que vous avez devant les yeux. L'idée, c'est de rassembler, de fiabiliser et d'exploiter les données de l'entreprise pour prendre de meilleures décisions. Si je reviens sur mon exemple du compte de résultat, on en discutait encore avec un ami il y a quelques jours. Le compte de résultat, c'est absolument scandaleux. C'est aujourd'hui, quand une entreprise a son compte de résultat, elle a son compte de résultat pour l'année d'avant et elle l'a 6 mois après. Et ce que je disais, c'est que c'est un petit peu comme si, quand vous êtes en seconde, on vous laisse faire votre année de seconde, vous finissez votre année de seconde, vous arrivez en première. Et à la moitié de votre année de première, vous avez les notes de votre année de seconde. Et c'est là qu'on vous dit, ah ouais, mais non, ça va pas. Dans telle et telle matière, c'est pas bon. Eh oui, mais c'est beaucoup trop tard. Donc, comment est-ce qu'on arrive à casser ça? On peut très bien venir utiliser toutes les données de la compta qui sont rentrées quasiment au mois le mois pour établir automatiquement des comptes de résultats au mois le mois et sur chaque entité de l'entreprise, si éventuellement une entreprise a des business différents. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres dans ce qu'on peut faire avec de la business intelligence. À mon sens, aucune entreprise ne peut s'en passer aujourd'hui. Quel que soit le secteur d'activité, la taille de l'organisation, nos clients vont de sociétés de 3, 4, 5 personnes, vraiment des TPE, à des grands groupes de 1 500, 2 000 personnes. Vraiment, quelle que soit la taille de votre entreprise, vous ne pouvez pas vous en passer. C'est tout à fait à votre portée d'optimiser les process, de restaurer des marges, de gagner du temps, de recentrer les ressources, non plus sur des tâches un peu de robot, mais vraiment sur des missions à valeur ajoutée, de faire des économies dans l'entreprise, d'améliorer l'expérience client, l'expérience employeur que vous pouvez avoir. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Si je reviens une seconde, par exemple, sur la notion de recentrer les ressources. Aujourd'hui, dans un groupe, quand vous avez un contrôleur de gestion qui passe un tiers de son temps à écrire des choses dans des fichiers Excel, à relever des informations et à consolider des informations, et qu'ensuite il passe un certain temps à comprendre et à venir faire ses rapports. Ben, moi, je me dis que collecter de l'information, c'est vraiment pas une tâche intéressante. Alors que par contre, qu'ils viennent me voir en ayant une vraie vision et en s'étant dit, OK, j'ai pu passer 2 fois plus de temps sur l'analyse des chiffres, là, je me dis qu'on a vraiment gagné quelque chose. Comment est-ce qu'on peut optimiser ces data et avoir des retours sur investissement? Alors, bien sûr, cette question, elle est, enfin, la réponse, en tout cas, elle est unique pour chaque entreprise. Et même deux entreprises qui seraient dans le même secteur auraient des réponses différentes parce que n'ont pas les mêmes enjeux. Par contre, ce que je vous propose, c'est de vous balayer trois cas clients qu'on a réalisés ces derniers mois et de vous partager les résultats qu'on a obtenus avec eux. Le premier cas client que je vous propose, c'est une entreprise dans le secteur de l'agroalimentaire. 250 salariés, 3 sites et une direction informatique de 3 personnes. Concrètement, quand ils viennent nous voir, ils ont plusieurs problématiques. La première, c'est le temps nécessaire pour fournir des indicateurs stratégiques à la direction.
On était sur des temps vraiment très longs, on était sur des fois des temps de fourniture de plusieurs semaines parce qu'ils n'avaient pas le temps. Ils avaient essayé de mettre en place une stratégie de BI, mais elle était pas forcément optimale et surtout, elle traitait plus de presque 300 gigas de données chaque nuit. Donc concrètement, ça fonctionnait pas bien. La direction a vraiment une forte demande d'indicateurs actualisés quotidiennement. Et ça, ben, ils ne pouvaient pas les fournir puisqu'ils avaient des délais de fourniture à la semaine, voire un peu plus long. Et enfin, les délais de développement des scripts en interne étaient beaucoup trop longs puisqu'ils traitaient un certain nombre de choses en interne. Qu'est-ce qu'on a pu faire pour eux? On a automatisé toute la collecte et le traitement des données. On a fiabilisé l'information avec une visualisation en temps réel. On a permis de passer des indicateurs mensuels à des indicateurs journaliers et surtout en temps réel. Et on a externalisé des processus complexes comme la création d'interfaces entre les applicatifs et on a facilité et accéléré la prise de décision. Concrètement, sur un an, les résultats donnent quoi? C'est 1,2% de gain de productivité. Comment on le calcule? Ben, avec tout le temps économisé sur l'équipe informatique, sur la production des indicateurs. 1%, c'est quand même pas négligeable, c'est quand même un certain nombre de temps, mais qui peut être redédié à de l'assistance utilisateur ou de la R&D. Ils ont arrêté de maintenir des développements maison qui leur coûtaient à peu près 10 000 euros par an. Et enfin, ils ont fait un gain de 40 heures en moyenne de temps qui était consacré à la mise à disposition des données. 40 heures par mois, ce qui fait un gain de 12 000 euros par an, ce qui fait quasiment en fait un quart temps libéré à faire autre chose, à faire des missions à valeur ajoutée. Donc c'est quand même pas rien. Sur un an, c'est plus de 22 000 euros de retour sur investissement. Le deuxième cas que je vais vous proposer de vous partager, c'est de l'automatisation de traitement de données financières. On est dans le secteur du tourisme, on est sur une société de 70 collaborateurs et d'une cinquantaine de prestataires. Il y a 14 points de vente et un site internet. Et chez ce client-là, on se retrouve avec un trésorier qui passe tous les jours, puisque c'est une entreprise qui fonctionne tous les jours. Il passe tous les jours, 2 heures par jour, à traiter ses tableaux de bord sur Excel, avec une succession d'actions manuelles qui lui prennent un temps incroyable et une vraie difficulté à récupérer des données fiables et consolidées. Chez ce client-là, on a interconnecté tous les systèmes entre eux, tous les systèmes qui servaient à la collecte de données pour le trésorier ont été interconnectés entre eux, toutes les données ont été rassemblées en une seule et même base de données, et ça a permis d'automatiser tout le calcul de la rémunération des prestataires, la génération automatique des écritures comptables quotidiennes de tous les points de vente, la préparation des virements bancaires pour pouvoir payer les prestataires. Tout ce qui va tourner autour de la visualisation de l'activité a été entièrement automatisé et derrière, ils ont réussi à optimiser le système, les fréquences de navettes par rapport aux données de fréquentation qu'on leur a extrait en plus et qui n'étaient pas dans le scope du projet initial. Concrètement, sur un an, c'est un demi-million de ROI. Pourquoi? Parce qu'on a récupéré 0,3 ETP réaffectés en comptabilité. Donc, on a économisé en compta 0,3 ETP, c'est quand même pas rien, 0,3 ETP. On a récupéré 700 heures de traitement pour les données financières, donc c'est le trésorier, on lui a économisé 700 heures de travail. Et concrètement, il y a 400 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaires qui ont été générés par l'optimisation des fréquences et des présences des navettes. Tout ça, une fois de plus, je le redis, avec juste en regardant les données qu'ils avaient déjà et en comprenant mieux le business dans lequel ils étaient. Troisième cas client que je vous propose, une migration d'application. On est dans le secteur de la recherche. On est sur une société qui fait 350 salariés. Il y a 6 sites en France. Et on est dans le marché, ils font de la certification et de la normalisation. On est sur une entreprise qui a un système d'information vieillissant et ils voulaient migrer vers un seul ERP, 4 applications différentes historiques qu'ils avaient.
Ils avaient besoin d'une visibilité globale aussi par métier et d'avoir une qualité de données absolument parfaite, et surtout parce que les utilisateurs, comme il y avait quatre logiciels pour piloter l'activité, commençaient à perdre confiance dans les données qu'ils avaient sous les yeux. On avait également un sujet de récupération d'historique, avec 15 ans d'historique de données, et dans la recherche, c'est quand même pas neutre. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a pu faire chez eux? On a centralisé toute l'information déjà, ce qui a augmenté la qualité. On a interconnecté les quatre applications pour qu'elles puissent discuter entre elles. La mise en place d'un référentiel unique de données a permis d'avoir réellement confiance dans la donnée. Il n'y avait plus de notion de « Ah, j'ai mis à jour la donnée dans une appli, mais pas dans l'autre, etc. » Et un réel gain de temps grâce à l'automatisation du transfert des informations historiques dans le nouveau logiciel. Tout ce qui va tourner en plus autour des tableaux de bord ont été mis en place pour visualiser l'activité et faciliter de la prise de décision. Pareil, ce qui n'était pas quelque chose qui au départ était dans le scope, mais une fois qu'on a eu entièrement déployé toute la partie interconnexion, il était très facile de venir rajouter un tableau de bord là-dessus et d'apporter vraiment de la valeur ajoutée sur ce tableau de bord. Concrètement, sur un an, c'est 70 000 euros de ROI, c'est 45 000 euros de maintenance par an applicative économisée puisqu'on est passé de 4 à 1 outil, c'est 2 ETP en gestion de données réorientées sur des missions différentes, et c'est 15 ans d'historique conservé. Et concrètement, ça, ben, c'est assez difficile à valoriser. Dans le monde de la recherche, vraiment, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme outil maintenant à mettre en place dans votre entreprise? Eh bien, je vous ai parlé de deux outils sur lesquels on fait de la formation. Je fais une parenthèse très courte sur Talend. Talend, qui est un outil qui va servir à interconnecter des applications entre elles et à venir faire transiter des données entre les applicatifs. Toujours pareil, s'il y en a dans le chat qui veulent, on a une formation qui est disponible, qui est gratuite sur Talend. Je crois qu'on a 6 heures de tuto vidéo qui a été fait par notre équipe. Il suffit juste que vous nous les demandiez dans le chat, on vous donne le lien et il n'y a aucun souci là-dessus, c'est gratuit, c'est dispo. Le focus que je voudrais faire aujourd'hui, c'est sur le focus Power BI. Power BI, c'est un outil qu'on appelle vulgairement un outil de data vis, de data visualisation. Le constat, il est plutôt simple, il est que notre cerveau il capte 80% des informations par le visuel. La data visualisation sert à passer d'un stade de données, comment dire, brutes à un stade de données visuelles. Le premier but, c'est d'éclaircir la donnée en lui donnant un aspect ergonomique plutôt qu'un tableau assez désagréable. Et les données, elles peuvent être illustrées de dizaines et de dizaines de façons différentes. Les fans d'Excel, bien sûr, ben, connaissent les graphiques classiques. On peut aller aussi un petit peu plus loin que ça. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais concrètement, est-ce que ce graphique vous parle, si on parle de propositions commerciales, ben, combien il y en a eu en janvier, en mars, de signés, de non-signés, etc. Ok, ce n'est pas super intéressant de le regarder comme ça. Alors que par contre, comme ça, avec une légende et des graphiques, on peut tout à fait voir si on a une augmentation du nombre de propositions commerciales signées, facturé, etc. Et là, toujours pareil, on l'a fait en termes de nombre de propositions commerciales. Rien ne nous empêcherait de faire ça en termes de montant de propositions commerciales et éventuellement de se faire des moyennes et de se dire, tiens, est-ce que mon ticket moyen augmente dans le temps ou pas? Voilà, c'est des questions toutes bêtes qu'on peut se poser. Quels outils vous pouvez utiliser? Alors, les grands groupes, ben, vont peut-être aller se chercher des outils comme Tableau, comme Qlik. Les entreprises PME, ETI iront peut-être chercher du Power BI. Et vous avez aussi des choses comme Google Chart qui permet de faire déjà beaucoup de choses en termes de visuel. Et puis on a notre petit Winov, Winov qui est une boîte qu'on aime bien, à qui je fais toujours un petit clin d'œil parce que c'est une boîte bordelaise et qui ont un outil de BI qui est vraiment topissime. Ce qu'il faut, si vous choisissez un outil de BI, c'est qu'il soit pratique, simple à mettre en place et surtout connectable à plein de sources d'informations parce que le but est toujours le même, aller chercher l'information partout où elle est disponible. Et vous allez me dire, des tableaux de bord, j'en ai déjà. Oui, vous êtes tous capables de vous faire un petit Excel et d'avoir des tableaux de bord et c'est OK. Par contre, d'avoir un tableau de bord
automatisé. Et c'est à mon sens ça qui est vraiment primordial. Parce qu'une fois que le tableau de bord est automatisé, déjà, vous passez plus de temps à recopier de la donnée. Il n'y a plus d'erreur de saisie. On a une qualité de l'information qui est absolument optimale. On a confiance dans les indicateurs parce qu'on s'est cassé la tête une fois à les écrire et à les faire, et maintenant, on sait ce qu'ils valent. On a une donnée fraîche parce qu'elle est rapidement et toujours mise à jour le plus proche possible de sa création, et elle est exploitable en temps réel. Ce qui nous permet d'avoir une aide fiable à la prise de décision. On n'a pas des tableaux de bord qui datent d'il y a 2 mois et on ne prend pas des décisions sur des tableaux de bord avec des données qui ont 2 mois. Le but est toujours le même, et je vous le redis, avoir la bonne information au bon moment pour la bonne décision. Concrètement, un tableau de bord, ça peut ressembler à quoi? Je vous mets un exemple, il pourrait y en avoir des milliers d'autres, je vous mets quelque chose d'un peu simple. Voilà, on est sur un tableau de bord avec du chiffre d'affaires, avec un nombre de clients, avec une répartition géographique, avec une répartition nouveaux clients, anciens clients, une répartition de CA par secteur d'activité, un petit tableau sur les origines commerciales. Et à partir de là, on peut vraiment se poser des questions très intéressantes. Tiens, est-ce que on pourrait s'amuser à faire des calculs de marge et se demander, tiens, est-ce que ma marge elle est plus importante en santé qu'en bâtiment? Est-ce que, certes, je fais peut-être plus de chiffre d'affaires en santé qu'en loisirs, mais peut-être que si je creuse, en fait, les clients loisirs arrivent beaucoup plus facilement que les clients santé. Donc, est-ce que j'aurais pas quelque chose à comprendre, à revoir dans ma stratégie? Et ça permet vraiment de se poser des questions et d'avancer. Si maintenant vous voulez aller plus loin, moi ce que je peux vous proposer, c'est qu'on en discute ensemble. L'idée de qu'on prenne un rendez-vous ensemble, on se prend 45 minutes, on parle de vos enjeux stratégiques, vous me permettez de comprendre votre métier, et moi mon engagement, c'est de vous trouver au moins une piste d'amélioration grâce à vos data. C'est entièrement gratuit, c'est juste une discussion. La seule condition à ce rendez-vous, c'est que si vous prenez rendez-vous avec moi, et je vous mets le lien juste après, si vous prenez rendez-vous avec moi, je vous envoie un questionnaire à préparer. Il y aura des choses à préparer. Faire le bilan de toutes les sources digitales que vous avez dans l'entreprise. Comment est-ce que vous vous en servez aujourd'hui? Il y aura un petit travail à faire avant pour qu'on puisse optimiser ce rendez-vous. D'accord? C'est vraiment important. Moi, je vous propose qu'on discute ensemble sur votre stratégie data et de trouver des idées pour améliorer votre business. Par contre, vous, il faudra que vous le prépariez. Pourquoi c'est important de faire un bilan de vos data? Parce que l'idée, c'est de prendre le temps de définir clairement son besoin, d'étudier la faisabilité technique, parce qu'il y a dans de rares cas des choses qui ne sont pas possibles, et surtout de se dire, tiens, si ça, c'est pas possible parce que la donnée, elle n'est pas digitale, qu'est-ce que je fais pour digitaliser cette donnée? Qu'est-ce que je mets en place pour que ça devienne possible? On définit les ROI potentiels sur les différents axes. On fait le choix des outils qu'on met en place éventuellement avec les retours d'expérience qu'on vous propose. Et à la fin, vous saurez exactement où aller pour mettre en place en interne ou avec vous votre projet data. J'en ai fini pour ma présentation. Et si vous le souhaitez, on peut se laisser une petite dizaine de minutes pour des questions, si vous en avez. Vous avez le QR code juste en dessous si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi. Donc, n'hésitez pas. Et pareil, n'hésitez pas dans le chat à me faire vos retours, à me dire ce que vous avez pensé de la discussion, enfin de la petite présentation que je viens de vous faire. Où vous en êtes, vous, dans votre stratégie data, dans votre entreprise, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place? Voilà, je serais curieux un petit peu de discuter avec vous si vous prenez le temps de me partager vos avis, vos impressions et vos questions. Alors, il y a 2-3 personnes qui m'ont envoyé des questions en direct. Alors, vous pouvez rester sur écrire à tout le monde. Hein. Moi, c'est OK que vous discutiez ensemble. J'ai aucun souci avec ça. Alors, sur les questions que vous avez pu me poser en direct, est-il possible de collecter des données dans une application SaaS? Alors, oui, bien sûr. C'est tout à fait possible à partir du moment où
l'application en question, l'éditeur SaaS et l'application en question vous permet de se connecter à leurs données. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais quand même aujourd'hui, dans l'immense majorité, c'est possible. On se connecte à travers un système qu'on appelle des API. Donc là, on va contacter l'éditeur en question, on va récupérer la documentation de l'API pour pouvoir se connecter à l'application, et on va regarder, étudier tout, quelles sont les données qui sont disponibles et sur lesquelles on peut se raccrocher pour pouvoir les collecter et vous donner de la data visible et de la data exploitable. Donc, oui, sans aucun problème, on peut aller chercher des applications SaaS. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Alors, je m'approche un peu. Bonjour, j'utilise plusieurs applications, dont une développée par un tiers. Il ne partagera pas ses codes sources. Vous pouvez quand même récupérer la data pour faire un reporting indépendant. Alors, merci beaucoup Marc pour cette question. Alors, on a un éditeur tiers. OK, il ne veut pas donner ses codes sources. Déjà, la première chose, c'est comment est-ce que les données sont stockées dans cette application? Où est-ce qu'est cette application? Des fois, les données, elles sont quand même accessibles. Donc ça, c'est quelque chose à étudier en fonction de chaque applicatif. On l'étudie, on creuse et on se pose la question. Ensuite, quand même, dans la grande majorité des cas, si les données ne sont pas accessibles en direct, il y a quand même très souvent des systèmes d'import-export, des systèmes qui permettent d'exporter la donnée et de pouvoir la traiter. Donc, on peut automatiser, par exemple, une fois par jour, une fois par semaine, en fonction de la donnée qu'on a, un export et ensuite un traitement automatisé pour les tableaux de bord. Par contre, en effet, il arrive que des fois, la donnée, elle soit juste pas disponible et que vraiment, l'éditeur fasse la mauvaise tête, ben à ce moment-là, peut-être que la question, ce sera est-ce qu'on reste avec cet éditeur ou est-ce qu'on quitte? Voilà. Ça peut aussi être une question qu'on se pose. Mais quand même, c'est vraiment de moins en moins le cas aujourd'hui. Une autre question qui m'a été envoyée en direct. Est-ce que je peux garder ou récupérer mes tableaux Excel? Alors, si vous pilotez déjà votre entreprise via Excel, ce qui est déjà une très bonne chose. J'étais tombé sur une stat il y a 6 mois de ça, il y a à peine 40% des PME, donc on n'est quand même pas sur les TPE, hein, des PME, hein, 30 à 200, 35% je crois des PME seulement utilisent des tableaux de bord pour piloter leur activité. Alors, la question que je me pose, c'est comment font les autres? Enfin, moi, je sais pas faire. En tant que chef d'entreprise, si j'ai pas mes tableaux de bord pour savoir où je vais, vraiment, je ne sais pas faire. Donc, si déjà vous avez des tableaux de bord qui sont sous Excel, bien sûr, vous pouvez les conserver s'ils vous conviennent. Et par contre, on peut juste se dire qu'on va aller automatiser l'alimentation de ce fichier Excel. Ça, c'est la première chose. Ou alors, vous vous dites, OK, c'est Excel, j'en veux plus, c'est cool. On va prendre tout ce que vous avez pu créer sur Excel et on va le transposer dans un outil de visualisation, l'outil va aller se connecter à vos sources de données et on va reproduire les graphiques et les rapports que vous aviez pour pouvoir vous fournir l'information. Donc ça, ce sera vraiment au choix, mais dans tous les cas, si vous avez déjà des Excel qui correspondent à vos besoins, ben c'est déjà une très très bonne base. Dans l'audit data, on aura déjà une première bonne base. Alors, on a Julien qui m'a envoyé une question en direct et qui me demande, un data warehouse est-il obligatoire dans un projet BI? Alors, je pense que Julien doit être un tout petit peu dans la sphère informatique et se pose pas mal de questions sur l'architecture à mettre en place dans un projet de business intelligence. Alors, quand on est une toute petite structure, on va pas forcément aller chercher, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un data warehouse, c'est juste une base de données dans lequel on va venir déverser toutes les données de l'entreprise et c'est une base de données qui souvent est plutôt bien rangée, bien structurée, bien calée. Et sur laquelle on vient ensuite connecter notre outil ou les outils de tableau de bord. C'est obligatoire quand on a beaucoup de données. Par contre, sur une petite structure, une TPE ou une petite PME qui a peut-être un ou deux applicatifs,
On ne va pas forcément se lancer dans la création complexe d'un point central que va être le Data Warehouse, d'un point central de collecte de données pour ensuite venir se connecter avec un outil de tableau de bord pour mettre en valeur la donnée. On peut, mais c'est quand même des fois un bazooka pour assommer une mouche. Par contre, sur des toutes petites structures, un, deux, peut-être trois applicatifs, on peut éventuellement se passer d'un Data Warehouse et aller connecter directement les outils de visualisation aux applicatifs. Par contre, dès qu'on va commencer à passer une certaine quantité de données, à passer un certain nombre d'applicatifs, là oui, le Data Warehouse sera vraiment nécessaire sera vraiment nécessaire comme intermédiaire entre les applicatifs et la partie visualisation. Oui, il faudra en mettre en place. Ça fait partie des choses qu'on peut traiter dans les projets BI. La collecte des données, le stockage dans un data warehouse structuré et ensuite seulement la partie visualisation. Mais ça s'étudie au cas par cas. Et on peut même après pousser un petit peu plus loin. Est-ce qu'on met des data lakes ou des data marts, des plus petites bases données ou des bases données avec des fonctions différentes? Donc tout ça, ce sera en fonction de la taille du projet et de la quantité de données qu'on va avoir à traiter. Merci pour ça. N'hésitez pas, il y en a qui m'envoient des questions en direct, mais n'hésitez pas à les poser en public à tout le monde. Il n'y a pas de... Personne ne va rien vous dire si vous posez votre question en public. Antoine, l'audit est-il en présentiel ou à distance? Alors, l'audit, dans la plupart des cas, donc nous, on est situé à Bordeaux et on travaille, comme je vous l'ai dit, avec des sociétés dans toute la France. L'audit, en grande majorité des cas, est fait à distance parce qu'on n'a pas forcément besoin d'être sur place. Sauf dans certains cas où on a besoin, notamment dans l'industrie, de mieux comprendre un process, d'être dans l'entreprise pour mieux prendre en compte l'environnement. Mais si on est sur des projets plutôt axés finance ou plutôt axés commerce, les audits peuvent très bien se dérouler à distance. Toujours pareil, on reprend la stratégie pour bien comprendre la stratégie, bien comprendre comment les métiers génèrent leurs données. Et ensuite faire une étude de tout ça pour se dire, bah tiens, on pourrait sortir tel ROI et tel ROI de ces données-là. Et ça, il n'y a vraiment clairement pas besoin d'être en physique pour ça. Voilà, Antoine, j'espère que ça répond à votre question. Martin, à quoi nous engage le rendez-vous? Alors, comme je vous le proposais juste avant, le rendez-vous clairement ne vous engage à rien. C'est juste une proposition de se dire, tiens, et si on discutait pendant 45 minutes, alors c'est pas à la minute près, hein, si on discutait pendant 45 minutes de votre stratégie et de ce que vous voudriez faire, et moi, avec l'expérience que j'ai et de mon point de vue, je pourrais vous proposer des choses à regarder peut-être différemment et se poser la question ensemble de comment est-ce qu'on pourrait optimiser et sortir un petit peu plus de valeur de votre business. Voilà, c'est tout ce que je vous propose. La seule chose que je vous demande, c'est de préparer ce rendez-vous-là à travers un questionnaire qui va vous guider et qui va vous permettre de préparer un certain nombre d'éléments dont on aura besoin. Et derrière, ben, on fait ce rendez-vous et on discute. Et au pire, a priori, je ne suis pas un mec trop désagréable, donc au pire, vous aurez juste passé 45 minutes plutôt sympa. Et peut-être une bonne idée qui peut vous faire gagner 1, 2, 3, 4% de points de marge. On ne sait jamais. J'avais donné un timing de 45 minutes pour ce webinaire. Si je ne dis pas de bêtises, voilà, 13h44, donc on est exactement dans les temps. Il y avait quelques questions en double, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Donc si c'est bon pour vous, bah, il ne va plus qu'à me rester à vous souhaiter une bonne journée. À vous remercier pour votre présence et surtout vraiment n'hésitez pas à revenir vers moi. J'ai vu qu'il y avait trois personnes qui avaient pris rendez-vous, donc parce qu'en tant que bon spécialiste data, je surveille hein, toutes ces datas qui évoluent. Donc j'ai vu qu'il y avait trois personnes qui avaient pris rendez-vous, donc bravo à vous trois. Je vous envoie très vite le questionnaire pour que vous puissiez préparer ce rendez-vous et qu'on puisse en tirer vraiment le maximum pour vous.
Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, un très bel après-midi. Chez nous, à Bordeaux, il fait très beau. Donc, profitez-en et je vous dis à très bientôt. Au revoir.